putain. C'est pas une grosse tempête, c'est un putain d'ouragan. Allez, lieutenant, on a connu pire. Ça peut tout de même nous tuer. Je m'en fais plus pour la Terre. Ou pour cette base où personne ne répond. Vu comme ça... Qu'est-ce que c'est ? De Cerberus, pas vrai? Ils en avaient l'air. Que fout Cerberus sur Mars? Bonne question. Vous ne savez pas? Je suis plus avec eux si c'est ça que vous demandez, H. Je ne demandais pas, mais admettez que c'est troublant. Attention! Juste quelques véhicules. Ils doivent avoir reçu de l'aide, de l'intérieur. C'est probable. Il faut bien plus d'hommes et de puissance de feu pour prendre cette planète. Shepard, je veux une réponse franche. À quel sujet? Qu'est-ce que vous savez sur tout ça? Pourquoi Cerberus est ici? Pourquoi je saurais ce qu'il trafique ici? Vous avez collaboré. Comment croire que vous avez rompu tous les liens? Nous avons arrêté les récolteurs ensemble. Point final. Ils vous ont ressuscité. Confié un vaisseau, des ressources. Que ce soit clair, je n'ai plus aucun lien avec Cerberus depuis la destruction de la base des récolteurs. Et j'ignore tout de ce qu'ils font ici et de ce qu'ils cherchent. Le commandant Shepard a été sous surveillance depuis son retour sur Terre. Les communications étaient impossibles. Désolé, Shepard. C'était juste... Ash, je devrais pas avoir à me justifier. C'est juste que...
Shepard, par la déesse, vous êtes en vie. De même, Lyra. Les rapports m'ont rendu folle d'inquiétude. Je suis... navrée pour la Terre. Ouais, c'était... dur de partir. Ashley, je suis désolée. Mais pourquoi vous êtes ici? Ordre de Hackett. Il a dit que vous saviez ce qui se passe. Oui. Alléluia. Des réponses, enfin. Peut-être. J'ai trouvé les plans d'une machine protéienne. Elle pourrait anéantir les moissonneurs. Ici, sur Mars? Oui, dans les archives protéennes. Les archives sont connues depuis des décennies. Pourquoi maintenant? Par élimination, et avec une pointe de désespoir aussi. En détruisant le relais Alpha, vous avez gagné du temps. Puis vous avez été l'objet d'une enquête. J'ai su que je devais agir. Hackett le savait aussi. Il m'a contacté pour savoir si le courtier de l'ombre pouvait trouver un moyen d'arrêter les moissonneurs. Mes recherches m'ont mené ici. Hackett m'a donné accès aux archives et m'a informé à votre sujet. Je voulais venir vous voir, mais... J'aurais aimé vous voir, mais vu les circonstances, je ne vous en veux pas. C'est trop gentil. En tout cas, mon travail a payé. Les archives sont très riches, elles regorgent de données. Je pense avoir trouvé. J'y croirai quand je la verrai moi-même. Où est-ce qu'on trouve cette arme? Ce n'est pas une arme. Pas encore. Ce sont des plans pour la construire. C'est plus que ce que nous avions jusque-là. Où les trouve-t-on? Les archives sont au bout de ce tramway. Enfin, si Cerberus ne l'a pas verrouillé. Que cherche-t-il? Ouais, on dirait qu'ils vous veulent vraiment. Ils veulent ce pourquoi je suis là, ce pourquoi nous sommes tous là. Pourquoi? Les protéins ont failli avoir les moissonneurs. Ils comptaient les exterminer, mais ils ont manqué de temps. Et de quelque chose d'assez puissant pour détruire les moissonneurs. Est susceptible de beaucoup intéresser Cerberus. Alors c'est une course vers les archives. On a de la compagnie. Amenez-vous. Pas cette fois, James. Quoi? Retournez à la navette. Si Cerberus atteint les archives avant nous, vous devrez couvrir les sorties. Mais... Maintenant, lieutenant. Il se rapproche. On devrait se planquer. On dirait qu'ils nous ont trouvés. Aucun problème quand on a des pouvoirs biotiques. Vous finirez par sortir. Ils sont tous morts. Bien. Trouvons le moyen de monter. Saboter l'ascenseur. Il faut trouver une autre route. Cette base était sécurisée. Comment Cerberus est-il entré? Bonne question. On a d'abord reçu des rapports sur l'invasion des moissonneurs. Puis juste après, c'était le chaos. Je n'ai même pas réalisé que c'était Cerberus au départ. Est-ce qu'il serait de mèche avec les moissonneurs? C'est peu probable, mais tout est possible. À couvert. Silence. Revoir l'esprit de milice. Ne
Mais qui sont ces types? Nous devons accéder à la passerelle. Les commandes sont à côté. Shepard, essayez d'accéder à la passerelle. Je n'ai pas accès aux commandes, mais... Et vous avez vu ça? Qui est cette femme à l'écran? Le docteur Eva Kor. Elle est arrivée la semaine dernière. Du nouveau? Passerelle inaccessible. Ok, on dirait qu'il y a un chantier à côté. On passera par le toit. On peut trouver un chemin à partir de là. Bien. On bouge. Pressuriser la salle. Et voilà, nous avons accès au labo. Et de là, nous irons à la station de tram. Eh, on dirait un enregistrement de ce qui s'est passé ici. Station de sécurité. Vous êtes là? Il se passe de drôles de choses par ici. Nos protocoles de sécurité se sont déclenchés, tout est verrouillé. Docteur, je vous ferai un rapport. Nous savons comment Cerberus est entré. J'aurais dû m'en rendre compte en la croisant. J'étais trop absorbée par mes propres recherches. Arrêter les moissonneurs devrait être notre seul objectif. C'est pas votre faute. Et si nous nous trompions? Si nous ne pouvions rien faire contre eux? Et si nous passions nos derniers jours à courir partout en essayant de résoudre un problème insoluble? Liara... Je sais, je ne devrais pas penser comme ça. Je ne sais pas comment vous faites,
Vous restez toujours concentré, même dans les pires moments. Face à de tels enjeux, je pense à mes amis, à mes proches, à tout ce que je perdrais si jamais j'échouais. Moi aussi. On les aura, Aliara. Ensemble. Je vous crois. Ou je crois que vous y croyez. C'est tout comme. Bien, la porte est ouverte. D'ici, on peut aller au labo et à la station de tram. Bien, allons-y. Ils ont activé les protocoles de décontamination. Avec le personnel à l'intérieur. C'est ici qu'ils étudiaient les diverses reliques déterrées. Qu'est-ce qu'ils ont découvert? Trop de choses pour que ça tienne en quelques mots. Et ils n'ont pas creusé très loin. Il y a des coffres remplis de données protéines qui n'ont pas encore été étudiées. C'est la ligne de tramway. Elle mène droit aux archives. Cerberus a dû la boucler. Nous devrions pouvoir régler ça à la station de sécurité. C'est juste par là. Thank you.
La seule à ma connaissance. Nous allons contourner. Restez à couvert. Je passe devant. Ne la laissez pas vous viser. Bordel! On dirait qu'ils ont atteint les archives. Et on dirait bien qu'ils ne sont pas disposés à envoyer un tram. On peut le contrôler. Les archives sont sur un autre réseau. Nous sommes bloqués dehors. Pas complètement. Et si nous trouvions un émetteur à courte portée, casque à casque? Et que nous les persuadions que nous sommes des leurs, et que les troupes de l'Alliance sont éliminées. Bonne idée. Tâchez de trouver ça. Quoi? Le lieutenant-commandant est devenu très compétent. En effet. Commandant, j'ai quelque chose. Ça donne quoi? Il a un émetteur dans son casque. Si j'arrive... Oh! Bon Dieu, on dirait un zombie. Modifiés par Cerberus? Ils prétendent défendre l'humanité, mais ils infligent ça aux leurs. Ça aurait pu être vous, Shepard. Pour moi, c'est ce que Cerberus vous avait fait. Vous me comparez à cette chose? J'ignore ce que vous êtes, depuis qu'ils ont mis la main sur vous. C'est bien vous? Vous le sauriez s'ils vous contrôlaient d'une façon ou d'une autre? Ash, c'est injuste. Je vide juste mon sac. Pas besoin de répondre. Rien de ce que vous pourriez dire ne me convaincra. Je suppose que la confiance viendra avec le temps. Je suis le même qu'avant. Le temps n'y changera rien. Mais je peux comprendre, évidemment. Merci de comprendre. De rien. On va voir si on peut faire venir ce tram ici. Allô ? Allô, ici Delta. Est-ce que vous me recevez? Qu'est-ce que vous faisiez? Oubliez ça. Quel est votre statut? Nous sommes à la station de tram pour extraction. L'ennemi est éliminé. Bien reçu. L'escouade Echo arrive pour sécuriser la station. Ils marchent, d'après vous? En tout cas, ils seront fixés bien assez tôt. Nous devrions nous placer et les prendre de flanc à la descente du tram. Bonne idée, lieutenant. Je m'y colle. Je m'en occupe. Ok. Je m'en occupe. Et voilà. Thank you.
sont juste de l'autre côté. Avec un groupe de soldats de Cerberus énervés. Shepard. L'homme trouble ? Fascinant, ces protéins. Ils nous ont laissé tout ça à découvrir et nous avons tout dilapidé. L'Alliance a connaissance de ces archives depuis plus de 30 ans. Et elle en a fait quoi ? Qu'est-ce que vous voulez ? Ce que j'ai toujours voulu. Les données contenues dans ces artefacts sont la clé du problème des moissonneurs. Votre solution, je la connais. Vous changez votre peuple en monstre. Ils sont améliorés. Nuance. Ah oui ? Voilà ce qui nous différencie, Shepard. Là où vous voyez la destruction, je vois le contrôle. Le contrôle du pouvoir des moissonneurs. Imaginez la puissance de l'humanité si nous les maîtrisions. La Terre est assiégée. Vous, vous spéculez sur le moyen de contrôler les moissonneurs ? Vous avez toujours manqué de clairvoyance. Vous l'avez prouvé en détruisant la base des récolteurs. Cette base était une abomination. Des centaines de milliers d'humains y ont été tués. Non, ce n'est plus votre combat, Shepard. Vous ne vaincrez jamais les moissonneurs.
même avec les données protéennes. Collaborez. Donnez-moi accès à vos ressources et je les arrêterai. Vous feriez mieux que d'autres, mais votre défaite serait presque assurée. Et surtout, je ne souhaite pas la fin des moissonneurs. Nous pouvons les dominer et utiliser leur pouvoir, leur essence, pour amener l'humanité au sommet de l'évolution. Vous êtes allé trop loin. Les moissonneurs nous tueront tous si on n'arrête pas ces querelles. Je ne vous demande pas de comprendre, Shepard. Et je ne cherche certainement pas votre approbation. Vous étiez un outil, un agent à but unique. Et malgré nos différends, vous avez plutôt bien réussi. Mais comme le reste des reliques ici-bas, votre heure a sonné. Assez parlé. Yara. Ne vous mettez pas en travers de ma route. Je ne vous le redirai pas. C'est noté. Shepard. Quoi? Les données, elles ne sont plus ici. Elles sont effacées. Au revoir, Shepard. Merde. Comment il fait ça? C'est local. Quelqu'un doit envoyer les informations. Hé! Éloignez-vous de la console. Allez! Elle a les données! Elle est plus rapide qu'elle en a l'air. On la colle, la laissez pas filer. Achevez-la.
Attrapez ce truc. On l'emmène. Je sais pas. Des signes de moissonneurs en orbite. Ashley.